J'ai passé de très bons moments durant mes années de primaire à Notre-Dame-de-la-Ronce. Je me souviens qu'on se battait pour aller sonner la cloche, pour aller en récréation, jouer à gars attrape-fille ou poule renard vipère. Ou même quand on faisait la queue sous le préau pour avoir un vélo ou une trottinette. Bref, je retiens un très bon souvenir de cette école. Bonjour à tous, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis là pour vous parler de mon école quand j'étais petit. Donc, mon école s'appelle Notre-Dame-de-la-Ronce à Saquet-Portrieux, dans les Côtes-d'Armor en Bretagne. À la maternelle, j'aimais beaucoup m'amuser en faisant de la peinture, des jeux, du chant et j'aimais offrir des cadeaux à l'école à papa et à maman, ce qui s'appelle la fête des pères et des mères. Mais ce que j'aimais le plus, c'était de jouer dans la grande structure. Dans la cour de récréation, en maternelle, j'étais solitaire, je ne parlais pas, j'imaginais des tas de choses. Mais dès que je suis rentrée en CP, j'ai commencé à jouer avec les copains. Je faisais du foot en récré et j'imaginais la vie. Mes matières préférées sont l'histoire, la science, des volcans, des océans, des animaux et des déserts. Quand on faisait les cours en CM, on apprenait en s'amusant et ça c'est génial et c'est ce qui fait la force de cette école. Je me souviens de la classe de découverte dans le zoo de Brand-Ferry, du spectacle de Noël sur le recyclage et de cœur d'école. C'est une école très conviviale où les professeurs ont de bons rapports avec leurs élèves, même leurs anciens élèves. C'est une grande famille sur laquelle on peut compter. Mon aventure au sein de l'école Notre-Dame-de-la-Ronce a commencé au printemps 2004, lors de mon entrée en maternelle. J'ai poursuivi cette expérience jusqu'en juin 2012 avant d'entrer au collège Talamaris. J'ai donc gardé de très bons souvenirs de ces années. J'ai appris beaucoup de choses avec des instituteurs et institutrices très gentils et surtout très compétents. Je me suis fait des amis qui pour beaucoup sont restés au collège Talamaris. Déjà petit, nous faisions marcher Sylvie, Nadine et Marie-Christine en allant dormir que 5 ou 10 minutes pour ensuite aller dans la piscine à balles ou dans la salle de jeu. Si elles voulaient se reposer, c'était foutu, même si des fois on se faisait gronder. Concernant Mickaël et Didier, nous les faisions un peu moins marcher. C'était sûrement dû au fait que nous avions grandi. Mais cela ne nous empêchait pas de rire en travaillant. Je me souviens de mon arrivée dans cette école où j'ai eu un très bon accueil. Je garde de très bons souvenirs. On pouvait beaucoup s'amuser dans la récréation qui était super comme les professeurs. Et je me souviens d'un voyage à Brand-Ferré qui m'a beaucoup marqué. Alors tout d'abord, mon aventure commence en maternelle, avec la rencontre de tous mes amis et de ma première maîtresse. Dès que je suis arrivée, j'ai été impressionnée par la structure de jeu, la piscine à balles, ainsi que les différents jeux. Après un travail ludique, nous allions à la sieste pour un repos mérité. Il y avait aussi tous les anniversaires à fêter en fin de journée avec un gâteau et plein de bonbons. Durant ces années en maternelle, j'ai appris tout en m'amusant. Après, je suis passée aux choses plus sérieuses, la primaire, toujours accompagnée de mes amis et de nouveaux. L'apprentissage de l'écriture, de la lecture avec Kimamila, les multiplications des divisions ne m'ont pas résisté grâce à Didier, Nadine et Mickaël. La garderie du soir et du matin ont été importantes et bénéfiques grâce à Sylvie et Marie-Christine. Durant des voyages inoubliables comme la fondation de Nicolas Hulot, la Vendée, Ploire-Mort, j'ai appris de nouvelles choses différemment sur la nature et le Moyen-Âge. Les carnavals, les spectacles de Noël ou les kermesses ont été orchestrés par des professeurs motivés qui nous ont appris des chorégraphies tout en canalisant toute notre énergie. Et enfin, pour moi, Notre-Dame-de-la-Ronce, c'est une grande famille qui, en un coup de baguette magique, m'a permis d'apprendre des bases essentielles et indispensables pour la suite. Cependant, je suis bien triste de quitter cet environnement, mais si je pouvais remonter le temps, je reviendrais vivre ces bons moments.